Donc la Recyclerie Sportive de Roubaix, c'est une association qui collecte et redistribue des articles de sport, que ce soit des sports collectifs, du cyclisme, des sports de raquettes. Donc on va collecter ces équipements et on va les redistribuer en boutique à prix solidaire dans le centre de Roubaix. Au départ, il y a la volonté de la ville de développer des activités autour du zéro déchet. Et donc le sport en fait partie. Et voilà, l'antenne de Roubaix a vu le jour en 2022. On va à la rencontre des habitants lors d'événements locaux où on propose des activités autour du sport zéro déchet. Ça peut être des activités ludiques de transformation par exemple. Donc pour accéder à la recyclerie, il y a une cotisation pour la boutique qui est de 5 euros par an et par famille pour pouvoir acquérir voilà, un équipement chez nous. On propose l'atelier de co-réparation de la recyclerie sportive de Roubaix pour permettre aux personnes de venir se former sur les réparations, les gestes de réparation du vélo. Et ça permet aussi de réparer, d'entretenir son vélo à moindre coût. J'ai eu le papa d'un stagiaire qui est venu ici, qui nous avait acheté des quilles de bowling qui étaient usagées. Et lui, il a réussi à les transformer, à les repeindre. Et c'est devenu des pieds de table pour une table basse de salon qui était très classe. Donc ouais, c'était assez sympa comme exemple. Pour cette reprise sportive, bien sûr, on a des équipements divers qui permettent de continuer ou de reprendre le sport par tous les temps. Nos projets pour cette année 2024, ça veut développer la mobilité douce, la mobilité active, avec notamment le vélo, les trottinettes, et faciliter cette pratique pour les habitants de Roubaix, de Tourcoing et aux alentours. La ville de Roubaix remercie tous les acteurs qui s'engagent dans le zéro déchet et l'économie circulaire et aident chacun à mieux consommer.